Yo, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va simplement répondre à toutes vos questions que vous posez sur moi. Du coup, comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant avec la petite cloche et lâche un like sous la vidéo. Ça fait vraiment super plaisir. On va sur toutes les personnes qui penseront à vers cela. C'était Fintex. Allez, bonne vidéo. Hey yo les gars, c'est Fintex. J'espère que vous allez tous super bien. Pour ma part, je vais vraiment super bien les potes. Comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Cela me fera vraiment super plaisir. Du coup, comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui je vais simplement répondre à vos questions. Combien je gagne avec YouTube, ce que j'avais déjà d'autres chaînes et tout ça et tout ça. Du coup, on est simplement parti pour la première question. Let's go. Première question qui nous vient de Skite Brawl Star. Alors déjà, merci pour ta question. Est-ce que YouTube est ta passion ou t'as une autre passion à côté? Et une autre question, t'as en quelle classe? Alors moi, une autre passion, je joue énormément à Garry's Mod ou à GTA 5 avec des mods ou quoi. Voilà, mais une autre passion, non, là je suis à l'école, je suis tranquille, tu vois. Mais une autre passion, non, voilà quoi. Et t'es en quelle classe? Alors moi je suis en Belgique, c'est pas le même, c'est un système scolaire qu'en France, voilà. Moi je suis en 4ème, voilà, pour les gens qui comprennent, ça veut dire quoi 4ème. Du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à ta question, Skite Brawl Stars, voilà. Du coup, ça fait plaisir, on se retrouve tout simplement pour la deuxième question, allez, c'est parti. Deuxième question qui nous vient de Antoine Capron. Est-ce que Fortnite est ton jeu préféré ou tu préfères jouer à d'autres jeux? Alors oui, comme je l'ai dit précédemment, je préfère jouer énormément à GTA 5 ou sinon à Garry's Mod RP. Voilà, je joue énormément sur des serveurs RP pour les gens qui connaissent. Du coup, voilà, mais je joue pas trop à Fortnite avec la dernière mise à jour et tout. Voilà, ça m'a pas donné trop envie de jouer. Voilà, j'aime bien juste faire des vidéos pour les abonnés. Après ça, jouer sur Fortnite maintenant, non, c'est devenu un peu déchiré. Il y a énormément de personnes qui disent ça. Parce qu'avant, on pouvait faire des bonnes cups, etc., etc. Voilà, pour les anciens joueurs. Comme moi, j'étais ancien joueur, je jouais depuis une semaine après la sortie du jeu de Fortnite. Voilà, je vous dis, Fortnite a vraiment changé depuis les débuts du jeu. Du coup, on se retrouve simplement pour la prochaine question. Merci à toi, Antoine, pour ta question. Ça fait vraiment super plaisir. La prochaine question que tout le monde attend, ton salaire YouTube. Non, je rigole. Est-ce que tu le sais quand tu penses jouer avec tes abonnés? Alors, désolé, j'ai pas ton nom pour te répondre directement à ta question, voilà, mais en moins, je réponds à peu près à tous les abonnés. Ton salaire YouTube. Alors, je vais pas dire vraiment mon salaire YouTube parce que c'est un peu interdit de le dire comme ça en vidéo sur YouTube, mais voilà, je veux dire à peu près, je gagne entre un 0 et 500. 500 euros, voilà. Vous avez plus ou moins à peu près. Je gagne pas plus que 500 ou moins de 0. Voilà, vous avez à peu près combien je gagne sur YouTube. Bien sûr, je vais pas le dire parce que sinon après, voilà quoi, il n'y a aucune sortie que je le dise, vous avez compris quoi. Du coup, merci à toi pour ta question, ça fait vraiment super plaisir. Et tu penses jouer avec tes abonnés? Alors, j'avais déjà fait une game avec des abonnés, mais voilà quoi, c'était un peu bizarre quoi, il manquait un petit truc. Je pense que je devais faire une vidéo comme ça, spéciale des games avec des abonnés, si vous dites. Alors, je veux 500 pouces bleus sur la vidéo, on fait des petites games avec des abonnés. Pourquoi pas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez de ce concept là, faire des petites games avec des abonnés ou sinon faire des petits lives tranquilles avec des abonnés, pourquoi pas. Merci à toi pour ta question, ça fait vraiment super plaisir. J'espère que j'ai répondu à peu près avec tous les caractères et tout. Du coup, on se retrouve pour la prochaine question. Let's go. Alors, prochaine question qui nous vient de Benjamin Leclerc. Benjamin Leclerc, merci pour ta question. Je me suis abonné à la chaîne et j'ai mis le code créateur Fintex dans la boutique. Ah voilà les gars, ça c'est un vrai abonné, il fait vraiment super plaisir. Du coup, j'ai mis le code créateur Fintex dans la boutique. T'es sur YouTube depuis combien de temps et tu penses atteindre combien d'abonnés? Alors moi, faut savoir que je suis sur YouTube depuis actuellement 6 ans, mais pas sur ma chaîne principale actuellement. J'avais déjà d'autres chaînes précédemment. Voilà, j'avais déjà une chaîne sur GTA 5 qui faisait des vidéos fun, etc. Mais malheureusement, ma chaîne YouTube s'est fait supprimer
par un des copyrights via un site internet et tout, voilà. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, ça fait déjà depuis 6 ans que je suis sur YouTube et 6 ans que j'essaie d'avoir les 10 000 abonnés. Et grâce à vous, on a dépassé les 60 000 abonnés. Ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça fait vraiment super plaisir. 60 000 abonnés, c'est énorme. Voilà, 60 000 abonnés pour des glitches sur Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. En plus, les glitches ils marchent et tout. Voilà, les potes, ça fait vraiment super plaisir. Mais maintenant, les gars, on essaie vraiment de faire des bonnes vidéos et tout. Voilà, dites-moi des petits concepts de vidéos. Et voilà, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, les potes, j'espère vraiment que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. C'était Fintech. Allez, ciao tout le monde.